Je suis en équilibre. Je marche sur un fil. Je ne regarde plus en bas. Tout est si loin déjà. Je suis souvent ailleurs. J'ai compris mes erreurs. Je vois des oiseaux s'envoler. Des âmes s'enlacer. Pour ce quatrième album, j'avais besoin réellement d'utiliser la musique comme je l'avais toujours rêvé au départ, en fait. C'est-à-dire tel un exutoire. J'avais vraiment envie, à travers la musique, une envie de liberté. C'est pour ça que la musique, j'en ai besoin. Moi, enfin, ça a toujours été pour ça, mais je l'ai jamais réellement assumé. C'est vrai que quand on sort son premier album, on se laisse toujours diriger, c'est forcé, surtout quand on est jeune. Mais au fur et à mesure du temps, des choses naissent en toi et t'as des choses à dire, t'as des choses à exprimer, t'as des choses à sortir. Et moi, c'était important pour moi que ça m'arrive enfin. Et c'est pour ça que je me sens réellement accomplie à travers cet album. Laisse-les dire, c'est une chanson qui a été très importante et que j'ai acceptée immédiatement parce que le thème était réellement proche de mon état d'esprit du moment. C'était surtout une manière de dire un petit peu que tout ce qui a été dur, qui a été dit d'une manière très difficile à mon sujet, toutes ces médisances, toutes ces incompréhensions par rapport au fait que j'existe dans le monde de la musique, tout ça a été difficile pour moi à accepter. En m'arrêtant, en faisant un break, en me reposant un petit peu pendant ces 2 ans et demi, surtout cérébralement parce que j'en avais besoin, bah, j'ai pu analyser un petit peu tout ce qui m'était arrivé et je me suis rendu compte que voilà, il y avait de très belles choses que j'avais loupées. C'est à travers cette chanson, Laisse-les dire, que je dis tout ça finalement. Ce genre de critiques-là, qui sont finalement un peu au ras des pâquerettes, ne m'atteindront plus, ne me feront plus de mal. Laisse-les dire. Je suis assez sereine vis-à-vis de cet album, de la manière qu'il sera accueilli ou pas, parce que j'ai le sentiment réel qu'il n'y a que de l'honnêteté, du naturel et de la spontanéité dans cet album. C'est pas surfait, c'est juste honnête. C'est en vous que je peux y croire, sur scène c'est fou. Toutes les plus belles choses que j'ai vécues tout au long de ma carrière, c'est uniquement grâce à mon public. Ils m'ont offert la chose la plus belle qui existe et qui est normalement la plus naturelle à donner, c'est l'amour. J'ai un profond respect pour mon public. Je les aime réellement. Moi, je côtoie mon public d'une manière très proche. Il y a même des personnes qui ont mon numéro de téléphone. Enfin voilà, j'ai un profond respect pour eux, ils ont un profond respect pour moi et ça match. Je fais tout en fonction de mon public et de moi concernant ma carrière. Je ne veux en aucun cas les trahir. Ils m'ont toujours respecté, m'ont toujours porté à bout de bras. J'ai pas envie de me jouer d'eux. En plus, il n'y a rien de plus flagrant. Le public voit tout. Do you think you're the only one who ever wanted to be free? Do you think you're the only one who ever wants to be with me? My love is special because of the way I give it. It's special because everyone can get it. And I never lose my way to the one I love. Oui.
Oui, c'est un album qui appelle la scène de toute façon à un moment donné. C'est un album qui a été aussi pensé pour ça. Moi, je voulais des titres qui puissent m'apporter aussi un côté péchu sur scène parce que j'ai besoin d'avoir des spectacles un peu fougueux. C'est vrai que sur scène, je suis quelqu'un qui est un peu rentre-dedans comme ça, tu vois, un peu. C'est vrai que musicalement, j'avais besoin de ce genre de titre pour m'éclater et aussi pour faire découvrir à mon public une nouvelle facette de moi qu'il ne connaît pas forcément. Je suis en équilibre, je marche sur...